cette voiture, brother. Hello, mister. Nice to meet you. So, yeah, I'm really curious to get to know this town. Il vient de nous proposer de faire un stop juste après l'hôtel pour aller voir un shop de marijuana parce qu'ici c'est légal. Voici. Et oui, on a la confirmation que ça, c'est notre hôtel. Tout va bien. Are you allowed to record inside? Yeah, yeah. Okay. Moi, c'est le Cari Vibes, frérot. Ok, Fenry, je viens de nous poser au Planet 3. Ça sent la beuh, sa race. It's cannabis, man. Okay. It's all cannabis. That's what we've got. I've never, like, smoked or something. You get the can of beer. It is non-alcoholic beer. Take a look around the store. Mais ça, c'est des boissons qui te rendent high. Pour un mec qui ne fume même pas de cigarettes, ça me fait tellement bizarre d'être là. Où est-ce qu'on est? Thanks to this big boy. What's up? I've been. Voir une statue de la liberté en plein Vegas, à la limite, ça va. Mais voir un fucking roller coaster, genre là. Regardez, il est là. Non mais damn. Ok, demain on fait ça. First day in Vegas, on est avec toute la clique. Just right there, peut-être que vous reconnaîtrez ce monsieur là. Si vous ne le reconnaissez pas, on a fait ça ensemble. Incrustation. Quand je sors du BNDR, c'était incroyable. Vraiment lit, j'ai eu des goosebumps, j'ai eu des frissons toute la soirée. J'ai vraiment tourné une petite glace, tu vois. Du glace petit. Hey, I've never seen an ice cream this big. It's big. This is really big. Là, il y a au moins 400 grammes de glace. Étant donné que je suis en train d'écrire le livre en ce moment avec Will, 100 grammes de glace vanille, ça fait 200-250. Donc là, on a à peu près de tête 1000 calories de glace. Tout va bien. Way too much, bro. Oh my god, I was fucking right. Là, je suis sur le site qui montre les vraies calories. Vanilla shake, 680 calories qu'on peut arrondir à 700 calories. Comment ça va, il y a 18 grammes de protéines pour attraper le coup. On va partager avec Armand. Non, sans rire, elle est vraiment très bonne. Family, pour vous donner un aperçu de la météo, là il fait 43. C'est vraiment comme quand tu pars de ta chambre et tu oublies d'éteindre le chauffage. Tu retournes dans ta chambre, tu vois, et là tu te bouffes cette vague de chaleur. Sauf qu'on est dehors, du coup c'est très dur. Là ça commence vraiment à être genre dur. Là chez nous, il est quoi? Il est 9h du mat. Ouais, on va faire une bonne nuit. Hey yo family, on se réveille sur ce jour numéro 2. Toujours en plein soleil, il fait toujours 43 degrés. Mais là ça fait vraiment du bien de prendre le soleil parce que la clim en fait à l'intérieur est juste beaucoup trop hardcore. Ça me rappelle mes temps à Bangkok. Il est 16h30, à 19h on doit être au BNDR du coup pour faire l'événement de musique avec tous les autres influenceurs. Du coup je vais mettre une petite session pendant ce temps là, Armand bosse en m'attendant. On est sorti hier du coup, waouh. J'ai bien sûr pas pu filmer tout ce qu'on a fait de la soirée parce que tout était interdit de filmer. Entre le casino, entre les trucs famous de Vegas, tu peux pas te ramener. Yo, je suis youtubeur, je peux vlogger tout ça pour la Team Valais. Ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire et de la culture tout simplement française. Genre c'est vraiment, les gens sont tellement différents. Je kiffe mon pays, je kiffe la France, mais c'est du bien d'être en dehors de temps en temps et de remettre les choses dans le contexte. On arrache le petit smoothie protéiné à blueberry, strawberry, un peu de lait, un peu de yogurt et de la protéine en poudre parce qu'il ne faut pas s'entraîner à jeun parce que puiser dans ses réserves pour s'entraîner, c'est pas top, contrairement à ce qu'on te fait croire. Cheers. Funny fact, je n'ai jamais touché des poids en Amérique, du moins de plus de, je sais pas, 50-60 pounds, parce que, je sais pas, ça m'a toujours perturbé. Comme tu le sais, je m'entraîne pas avec des pounds. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir 80 kilos dans la main. C'est pas moi.
3-4-7. Je fais que de dire que je comprends pourquoi ils sont gros dans ce pays. Ce n'est pas un jugement ou quoi, c'est une constatation que l'Amérique est un des pays où il y a le plus d'obésité et le plus de gens surpoids. Et en fait, tout est gros ici. Quand les verres sont trop gros, du coup tu te sers jusqu'en haut et ça fait direct 500 ml. Les assiettes sont trop grosses, genre tu te sers un peu à manger et visuellement t'as envie de remplir l'assiette. Sur ce, bon appétit. Attends. On vient de voir Ballroom. On se demande ce que c'est. Vas-y. Cet hôtel est incroyable. J'ai écrit No Entry sur la porte. Ah. Bon, on dégage avant de se faire virer. Petit tip pour quand vous voyagez, vaut mieux acheter genre exactement ça. Un café pur 100%, donc là en plus il est froid. Il contient exactement 15 calories. Et tout à rajouter ton sucre dedans si tu as besoin. Les édulcorants, bien que je ne conseille pas trop d'abuser avec les édulcorants, parce qu'il y a pas mal de data qui montrent que ça peut pas mal toucher à la flore intestinale. Et je l'ai vécu à un moment où tout allait bien, j'ai juste commencé à bouffer pas mal de suppléments pour virer des calories. Et mon estomac m'a dit frère, la flore intestinale, c'est bof. Du coup, j'en mets un peu de temps en temps, mais vraiment un peu. Non, genre blanc cassé, genre directement shippé de Flybot. Tu l'avais pas vu? Time for a jump. Elle est si bonne. Quand t'as pas assez d'argent pour acheter une balle. Oh, je suis nul. Look at this. Everything is permitted. Cité des excès, les enfants. Oh là là, regardez ça. C'est du chocolat. Oh là là. Un jackpot là qui est en train d'arriver en fait. Good job. Have a good day. Bon spend a meeting. Y'a même un truc. The Voice, genre. I think if I help you, maybe you're gonna win. Do you want some good luck? There you go. Good luck, brother. Alright, thank you. Juste là, il y a deux mecs qui sont au piano en face l'un de l'autre et qui chantent. C'est eux qui font toute l'ambiance du bar, regarde ça. Là, il y a juste une ville. Je suis vraiment un touriste. Pour les vegans, ne regardez pas. Vous voyez dans Beyond Fitness, je vous parle de manger de la vraie viande. Parce que je sais pas si vous voyez les petites nervurées là, proches du gras. C'est ça qui contient le collagène. Donc, faut manger ça les enfants. Sinon, déficit de glucides égale pas bon équilibre. Des acides aminés égale pas bon. It's time to roller coaster a big motherfucker. Family. Ça c'est vraiment une vie de freestyle. Genre, je crois que j'ai pas le droit d'avoir la GoPro déjà dans la main. Mais du coup c'est passé. Tiens la fort hein. On va la tenir fort, fort autant qu'on va baiser le game. Ladies and gentlemen de la Team Buddies, enjoyez ça avec nous. Oh shit brother. Bah, c'est exactement pour des moments comme ça que j'ai fait la hair surgery. Parce que là, vous allez voir tout mon front national. Oh là là. Oh brother. Oh là 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 là. Là tu sens. Là tu sens la douille. T'as rien dans les poches, je suis sûr. La Rolex elle a accroché. Ok, c'est bon. Tu vas gueuler ta race. C'est la fin. C'est la fin. Welcome to Sin City, brother. To infinity. And beyond. Let's go, motherfucker. Alors c'est très court, mais oui ça vaut le coup. Armando, excellent. Admirez les têtes de Quinn. Bon appétit family. Pinball, ça a pas d'intérêt ce que tu fais de voir. C'est grave dur, hein. J'aime pas du tout. Toi, tu fais ça. Ouais.
C'est nul. Oh, c'est nul. Bon, elle est tombée direct au milieu du trou. C'est nul. C'est super nul. C'est nul. C'est nul. C'est pas joué. Pourquoi t'as plus ça là? Ça sert à rien. Gros, c'est nul. C'est super nul. Tu fais quoi quand elle tombe au milieu? Bye, have a great time. Tiens, non, tiens, tiens. Vous avez la preuve que ce jeu c'est de la merde, voilà. Elle va tomber au milieu. Voilà. Voilà. Ce jeu c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai envie de jouer ça. Oh, j'ai raté le sang. Oh shit. Oh shit. Vas-y. Oh, 100, c'est dur hein. J'avais 100, j'ai perdu, il avait 140 et j'ai mis un 50 au moment où ça a mis game over. J'annonce, c'est là je t'arrache. C'est dur. Un péteur, il est à 450 et qu'on a 500. Et regardez ce que j'ai trouvé. Je buvais ça quand j'étais tout petit. Tiens. Yeah. Thank you, bro. I need to do a favor. I would like this shit because it reminds me of my childhood. If you say it can do something for some Frenchies in US for the first day, it would be appreciated. Thank you so much, brother. Appreciate it. Take care. Là je viens d'en négocier genre. Je prenais ça quand j'étais gosse. Ça c'est un petit tip ce que j'ai appris au fait. Quand des gens veulent vous bloquer un truc vis-à-vis du travail, genre je sais pas, vous pouvez pas rentrer en boîte ou un mec il peut pas faire un truc, tu lui demandes toujours s'il y a pas moyen de faire une exception. Et psychologiquement parlant, dans son cerveau il va se dire: ah j'avoue, est-ce que j'ai déjà fait des exceptions? Et soit c'est un gros bâtard et il va rester sur son mode non et j'en ferai pas. Puis il va se dire bon bah vas-y pour une fois je peux essayer. Bien joué. Ça me tue. Exactement. Buffet time. À part la pizza, tout est vraiment très clean. On a des patatas bravas, on a des légumes, on a du côté du cheese, cheeseburger pour les protéines, avec du melon et de la pastèque que j'ai arrachée là-bas, un peu de fibres et de vitamines avant tout ça. Après avoir goûté la glace vanille d'ici, je comprends pourquoi ils sont tous gros. Hein. Le taste des aliments, au lieu qu'il soit là, il est là, là. Vraiment too much. Genre, la glace que je consomme chez moi, c'est une glace Biocop. Glace à la vanille qui est à peu près 18 euros le kilo. C'est déjà très, 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 très cher. Elle est vraiment super bonne. Je dis pas que celle-là elle est meilleure, mais elle a plus de goût. En fait. Et c'est bizarre, tu vois. Genre, qu'est-ce que vous mettez dedans, les gars? C'est cool, hein, mais pour la sèche. On a fait exactement la même merde que les gars. Bon, ils ont fait plutôt la même merde que nous. Ils viennent de nous dire qu'en fait là, ils étaient à LA. Et donc Chris, que vous avez vu il y a deux jours avec moi sur la première partie du BNDR, et a raté son avion. Enfin, en gros, a fait la même merde que nous. Il a dû prendre une voiture de Vegas pour venir à LA. Je crois que j'ai amené les vibes de la timbalaiserie jusque là. Je suis une baguette. La petite vue du 41ème. Qui fait plaisir. Là, c'est l'heure de défiler. J'ai pas défilé depuis au moins 2 ans, enfin, depuis Bangkok. C'est gonna be fun. Skin. Oh, qu'il est beau. T'es en train de dire qu'il s'y me faut. Lâchez-moi. Yeah. Oh, yeah. We going on limit.
So if you're ready for that action, baby, come with me. Je pense qu'on va venir habiter ici. Okay, ladies and gentlemen, we are off. On vient de se taper un petit repas de famille avec ce monsieur. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un mec que je suivais il y a très longtemps. Je tombais sur ses vidéos en mode comment rentrer dans le mannequinat quand moi je voulais les faire. Du coup, je me le suis tout tapé. C'est un gars super bien. Il est en or. Vous pouvez aller le follow juste là, by the way. Et là, on va aller arracher un peu de blackjack. On essaye de revenir millionnaire, Inch'Allah. Là, il est 16h. On doit récupérer Mario, le modèle qu'on a vu hier. On va manger ensemble et après, on va tous vlogger en ville. On a plein de trucs à faire parce que c'est le dernier jour. Beyond fitness all over the world, motherfuckers. You triple the shit. This is ours. On a donné des petits edibles qui contiennent 5 mg de THC. À ne pas reproduire en France, en tout cas, vous ne pouvez pas, parce qu'en France, ce n'est pas légal. I feel fantastic. Yeah. You gonna take one? No, I don't think so. No? Baby quads. I want to surprise, you know, this is one of my best friends. Oh, yeah. And I want to marry him. Okay. No, don't come. Okay. I want to flex with the two bear. Who's the stronger? Yeah, looking good. Stylé et tout. On ne tire jamais de ma vie, je mets 700 balles dans une paire de chaussures. Et deux, c'est pas confortable du tout. C'est vraiment lourd. Regardez mon style, mais regardez pas l'état de mes pieds. Genre, bon, tu peux pas marcher avec ça. Genre, tu peux faire des élévations fessiers juste comme ça. I cannot hear French music because I hate understanding the lyrics, you know? Really? Yeah, I'm wondering if people in the US understand directly the lyrics and... 85% of Americans only listen to our music. Like, I don't know that I've ever heard a French song. Yeah, you have. Have I? Job, dab, bookie. No. Okay, thank you. Ayana Kamura n'est pas connue ici. Normalement, à la surprise, tout le monde sait sauf lui. Ok. Hello. We're doing a fake marriage, correct? Yeah, fake okay. Marriage. It'll be 264 all together. Do you want to do it? Sure. 264. Two? Yes. 64. Yes. God damn, it's fucking expensive. J'ai négocié comme un fou, tu vas remettre ça, tu vas aller t'asseoir. T'inquiète, c'est bon, c'est moi qui rince. Me mets pas un vent, frère. Après tout ce qu'on a fait ensemble, après tout ce qu'on a construit, c'est que le début. J'espère que c'est pas ce saut de mort de haut. Non, look at where we are. Brother, will you marry me? Yes, sure. Welcome for the first wedding, brother. Premier mariage de notre vie au moins. On gâche pas ça avec des filles qui nous quitteront et qui nous tromperont. How you feel about getting married, bro? It's great. J'ai pas embrassé un mec. You ready, everybody? Yes, sir. To the blue. You aren't take Tristan to having a hold in the straightforward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, and to love and cherish. Yes. What? Yeah, I promise to be faithful. And always be there. Be there for you. I give you my heart. I give you my heart. And my love. And my love. As my commitment. As my commitment. For life. For life. And you promise to be faithful. To be faithful. And always. And always. Be there for you. Be there for you, brother. I give you my heart.
give you my heart. And my love. And my love. That's my commitment. And my commitment. For life. For life. And you may now seal your love with a kiss. So do it. I never kissed a man. Is that for the kiss? Yeah. It's like when you want to kiss a girl but you don't want, you know, so you're kissing on the cheeks and... Check for you at the door. Guys, there is four different shit. There's the big shot, the extreme insanity, and the sky jump. On va voir ce qu'on va faire. Ok les gars, on est au sky jump, c'est 130$, ça coûte très cher, mais je pense que c'est vraiment worth it, et regardez qui l'a fait. Bon, je pense qu'il y aura des références pour tout le monde, mais personnellement en tant que fit boy, on a Jay Cutler, Mr. Olympia qui l'a fait, on a Jason Poston, autre Mr. Olympia qui l'a fait, on a plein de comédiens, je vous laisse checker, je les connais pas tous. Yeah, Mario is out. You friend, you know, like, it was nice to meet you bro, come on, bye. Là je suis en train just so de le not, faire. Just so you're not worried about... Take one card, look at the card. Okay. Okay, put it back. Okay, what was your card? Heart King. I know it's in here somewhere. Let me see. What's that one there? Okay. Any card you name, it's flipped over. Oh yeah, here, watch. Parce que je suis à tout moment, ça disparaît. Here we go. Here, look, look, look. Fold. Fold. And twist. And there you go. Bye-bye. I'm gonna get together. I wish I could make a video. Il va te donner un fake, tu vas rien comprendre. Regardez les petites Frenchies là. J'étais absolument en train de coller sur la vue d'en dessous parce que j'étais à travers la glace. Et il se trouve qu'il y a un étage au-dessus. Et il se trouve que l'étage est genre encore plus incroyable. Ça rase. Mais que du shit. Ils m'ont pas laissé prendre la GoPro ces matins. Oh. Just look at the shit. Can you put the camera on it? C'était pas aussi top que ce qu'on pensait faire. Là c'est l'heure de se taper un petit repas des familles. On est accompagné de toute la clique Josh Ryder, une demoiselle sauvage qui nous a rejointe, qui est tombée amoureux d'Armando, qui est désormais mon fiancé, donc elle va pas s'en approcher trop près. Et ça c'est les... Sauf si on partage. Et ça c'est les patates qu'on va partager exactement. Hey yo family, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez poser un petit pouce bleu et un petit commentaire juste là, ça me ferait vraiment plaisir. Concernant la fin de ce voyage, on a passé beaucoup de temps dans la vraie vie avec des vrais gens, à avoir des vraies discussions, donc j'ai pas forcément tout le temps eu ma caméra sur moi. Et ça va être la même chose pour LA comme tu peux le voir, mais je te laisse du coup checker le vlog de LA juste là, si t'as kiffé celui-là. En tout cas voilà, c'est un aperçu de ma vraie vie, sans filtre, sans paillettes, juste la real life.